Bote bandeko balandia les avertis bozolanda biso partout kola pambola bino pona tanga storo passer na bino ensemble pendant quelques minutes pona message o nzamba tinga kyo na kabula na bino au moment du titre que to lobby à moi la vengeance. Je pense que tango boki to botangi titre oyo boko comprendre que à moi la vengeance ici c'est pas moi le frère Kashisha mais c'est plutôt yemoko nzambe. C'est le message que Nzamba Pessinga ina kabola bino lelo et j'espère que par son amour, par sa grâce et surtout par son esprit, tu peux parvenir, n'est-ce pas, à la connaissance, il y a quelque chose pour Moutmoraza à sauver. Nous allons prier. Yahweh, nous te bénissons pour ton amour, nous te rendons grâce, Seigneur, papa, pour Nandengo Pessibiso Ngolu, Yakouya Souskoloba de ta part, Seigneur. Pendant mon manion stokoloba awa, tiquette nyon soe ko manakatia monokonangai outra maile langate mena makanisi pe maile na yo, afin que moi na moko abiki sa ma seigneur. Papa na komisio pona esprit saint, ou yaliko kamba biso ko tambu sepso chaque fois. Tiquette maloba oe na robimisa et sauve mbutu moko libanda kuna na kombono yeshon na sengiboe. Amen. Voilà. À moi la vengeance, ezali message on abiki na me okabla na bino lelo. Puisque ils allaient vraiment clé à Makambe Bele. Il y a aussi opportunité de libérer Kolanda Biso Lelo. Ils ont arrêté pour Nayo. Il y a que chaque fois ceux qui n'azako l'obana ko beta sete, ceux qui monélo ko moko l'équipe et qui écoutent Nango, ceux qui écoutent Nango baliboso et bibisote. Zoatan Kolanda Biso comprendre ce qui va être dit aujourd'hui par rapport à thème Oyo. Et aussi, il y a un message pour Kolanda Biso. Kolanda Biso, c'est mon message, mais Kolanda Biso, puisque tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, et que tu as un peu de vie dans mon copé, c'est important. Et puis, il y a un peu de temps que tu as un peu de temps vraiment pour atteindre l'objectif de Biso, donc la stature parfaite de Yeshua, afin que tu as enlevé mon col enlèvement. Et il y a un peu de temps que tu as vivre, ils en attendent. Un jour, il y a un jour, ce qui a agité, il y a un jour. Alors, il faut que chaque fois, il faut se coller l'amba na yo chaque fois, afin qu'ils soient tachés, et pour y aller, il y a un église sans tache ni ride. Bon, ça va attention, mais qu'il les a tellement mabé. D'abord, avant qu'il y ait un jour, la vengeance est allée nini. Puisque des fois, tant que tout n'a pas boyé, c'est allé important d'abord, ce que tu allé exploiter. Thème moko boy quelconque et bongi bandeko bazolanda biso et za baoba comprendre en français bien te ba vraiment base déjà to fondement ya moana vengeance. Vengeance ali du fait ya ko se venger. Or ko se venger zali ko zongisa donc ko punir mutu na likambo ya salaki. Par exemple, mutsoka betu pour bétier. On a pas besoin de vengeance. Moutou a fingé pour fingé, pas besoin de vengeance. Moutou a abominé de connaître pour abominer de connaître, pas besoin de vengeance. C'est-à-dire, ils allaient vraiment retour. Il y a éloqu moutou a salakio. Ils allaient contraire. Il y a pardon. Hein? Ceux qui moutou a sali au mabé et qui ont sali malamou, ils allaient quoi aller te pardonner mabé naie. Mais ceux qui moutou a sali au mabé, ils ont pas sali mabé ou anakaka, tout moutou sali mabé loco là. On les allait vraiment que on allait qu'on s'est vengé contre moutouana. Alors, si qu'on fait de mona, et là, comment on va tout bas jouer quand on lit quoi, l'icolo, mais c'est important tout, mais qu'on souligne l'ocoyo. Bon, mais nakatia, donc la société, la biso, ils a parti la famille déjà, de forme à base la société. Sauf que moni, bah, nation et télémaka, et bah, naka parti à base ou à la société, plutôt base, y a bah, nation, ils a li, bah, famille. Ceux qui ont une famille, ils ont des parents. Vous remarquez que moi, je suis un moko, qui a un peu de temps. Moi, je suis un moko, qui a facilement. Moi, je suis un moko, plutôt, moi, je suis un moko, qui a fini de faire facilement. Moi, je suis un moko, qui a fini de faire facilement. Moi, je suis un moko, qui a fini de faire facilement. Moi, je suis un moko, qui a fini de faire facilement. De akango la mwana wana na lobali ka moko bweka na kati ya emission demon ya bana mikia za lakate demon mikolo pa donc azalakate
demo kokota na kati ya mwana mke bo donc boyo kaka bato bazaka basala kindoki baloba nini ba pesa ka bana kindoki or kindoki zali transmission n'est-ce pas ya pouvoir moko maléfique na kati ya bomo ya mutu donc ce qui demo aza capable avoir na kati ya ngulu comment vous êtes capable de voir la carte à moi na te donc moi na attends ça mouké mais sur mon ma cambouna ils avaient vraiment cassé alina kusakana ba ninga na ninga ba brutalité ou bien asaka toujours en tendance ya kusala mabe asa en tendance toujours ya ko crier sur ba ninga moi na bon déjà faut boluka bon encadrer spirituellement déjà pour ça c'est très important alors on a dit que base ya société to base ya ba nation ya kaba famille environnement muto koleli nde sala ke mutu wana makambo kokola nango e ko sala ye soit sala mutu malamu ou bien sala mutu mabe ba philosophe baloba ke mutu abota makama bete mais ça environnement te comme ça mutu mabe c'est à dire l'homme n'est pas mauvais c'est l'environnement qui rend vraiment les hommes mauvais à partir environnement ce qui encadrement les ambiente ou bien akutena batu ya malungate mwana wana tanga kokola comme mutu mabe et ça très important. Vengeance ezali nde na lobi kozongisa mabe na mabe. Chaque façon que likambo ya mabe ezali bozongisa na mabe donc na mabe bali ko se venger. Alors, beaucoup mona que ezali vraiment cercle moko vicieux. Pourquoi nazo koloba boye? Imagine toi que yo sali mutu mabe, donc ye pas zongisa mabe, okozala na tendance ko sali sou mabe troisième fois, ye pas zongisa mabe, zongisa ma donc mabe pour la quatrième fois ainsi de suite. C'est pourquoi vous verrez que ba gueule et banda qui a parti à bloc quoi ba vengeance wana bino boye bo mibi so biso to ya peto to bo mabino et puis ainsi de suite ba gueule ça ko donc ko soit épaisseur tie comme au niveau ba gueule mondiale. C'est pour te dire que yo so landangai en tant que moi na zambe d'abord faut comprendre que tous en notion mususu ya réponse par rapport à comment dire par rapport à likambo mutasa libiso déjà phrase oyo ya titre à moi la vengeance et ça na kati ancien ali c'est la kati nouveau testament ali déjà phrase oyo nzambe alobaki ngo déjà kala avant que yeshua aya ko pesa biso encore clairement ko lobake ce qui mutasa li mabe ko zongisa mabete. Et puis déjà parole on a zo loba oya ceux qui mutasali o mabe ko zo sala mabete déjà na tangu ya donc ya kala na tangu ya donc ya ta ya Moïse ça dit dans ancienne alliance déjà nzambe pa loba ya likambo batiki batcha ngo kate batiki bakanisa ka bazwa ka likambo ya ay pour ay donc pour donc oui et ça là qui paye mais il y avait des moments où nzambe andako pekisa mutu sala mabe na muninga na mutu tokotanga passage wana rapidement avant que peut-être na plonger sur qu'on a quatre écritures par rapport à ce que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui, je voulais dire. Donc tout en a quatre mukanda ya Lévitique chapitre 19 verset 18. Kola le biboy. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique, chapitre 19, verset 18. Donc vous comprenez ici que, déjà à l'époque, Natanwana, Yeshua, Yahweh, le créateur Elohim, Azaja Koloba, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça dit balobi awate que prochain ngo ya malamu tu ya mabe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, ce qui mutu ali ko venger. Oso venger likamoko boy pa mutu, c'est que tu n'as pas de l'amour envers cet homme ou envers cette femme. Ça dit ce qui mutu aza ko se venger, ako se venger kaka na ba adversaire na yo to ba ennemi na yo. Or, tu ne peux pas aimer ton ennemi. Ce qui a un ennemi, décider bongo. Vous comprenez bien. Yesu alobi, aimez vos ennemis. Mais ce qui yo lingi ba ennemi na yo te, oza capable ko sa bango mabe. Or, quand tu n'aimes pas une personne, oza ko haïrie. Bota la chaîne ali kamulenge zo kende. Tu peux voir quelqu'un dans ta famille. Grande sœur nayo, petite sœur nayo, grand frère nayo, petit frère nayo, cousin, nièce, neveu nayo.
asala ki o mabene loko moko boye. E yo komi ko loba ke non, nga fona lakisa ye. Nga fona prouve ye. Nga fona punir ye. Alors, tant que la bongo, tu enlèves l'amour que tu avais pour cette personne, tu commences maintenant, n'est-ce pas, à comploter dans le cas de yo. Il y a même des gens qui, après avoir été blessés dans le cas de la famille, ont regretté dans la famille. Après avoir été blessé, je veux dire, il y a un problème dans le cas de la famille, tu es indifférent. Pourquoi? Puisque selon il y a mon qui commence à blesser et bongi siko ayina batu. Et lorsque tu es ozo yina mutu, ozo meurtrier, ozo mobomi. 1 Jean chapitre 3 verset 15 le bibongo. Mutaza ko yina moninga na eto ndeko na ye. Aza meurtrier, aza mobomi. Or bato ba bomi ba okota lo late. Tout en gango, c'est important. 1 Jean chapitre 3, verset 15, le Bible. 1 Jean chapitre 3, verset 15, le Bible. Quiconque est son frère ou sa sœur est un meurtrier ou meurtrière. Et vous savez qu'aucun meurtrier, donc meurtrier, n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est-à-dire, à partir de la vengeance, on peut compléter contre Moutouana et en voulant comploter contre Moutouana, tu vas faire ce qu'on appelle maintenant, tu vas commencer à haïr la personne. C'est-à-dire, tu vas faire mourir l'amour que tu avais pour la personne. Parce qu'une personne que tu aimes, au cours ça l'est ma bêté. Une personne que tu aimes, au cours ça l'est ma bêté. Si ça l'est Moutouma bê, poye pas cela qui est ma bê, c'est que tu n'as jamais aimé cette personne. Tout le monde a des ennemis dans la politique, dans la famille, dans l'église. Du fait que l'église, ou bien l'église, l'assemblée, comme il est belé, ils allaient plus que tout le monde a des ennemis dans la salle, dans le clan, dans le club. Alors il faut comprendre le mal de Badeko. Donc la vengeance est ma chaîne à ma cambo belé. Aux ans à quatre ans libal en ayo, mobile noir salut quand moko boya grave. Bossé ngani pe bolimbisi, yo po limbisi y pa limbisi yo. Donc à yo kangi moté malobi ke na quatre na yo lobi ke yé na kula kisai. Alors en étant avec lui, aux ans le casuko nini, aux ça la même bêtise ou bien la même faute oye pas salaki. Et dans ce moment, au moment que le diable va te conduire vers une mauvaise route, un mauvais chemin, au risque que l'ingé qu'on venge mon bal naio, ok, qu'on soit malade, tout bas démon mususu, et même la vie naio, et vice versa aussi pour nos mibali, envers basi na bango. Alors, et bon, il faut comprendre, ok, la vengeance. Tangou, nazoloba awa à moi la vengeance, c'est pas à moi, c'est à Dieu. Tout en gango le sous une fois pona écoute vraiment na katia mitu ya baninga au bazola ndabiso. Tout en gango vraiment une fois le sous. Tout na katia donc Deutéronome chapitre 32 verset 35 le biboué. Nzamba le biboué. À moi la vengeance et la rétribution. Et puis bon continue ngo. Ce qui mutua salio mabe Yoko salae ma bete, ne te venge pas. Souvent, celui qui essaye de venger a commis encore une erreur, donc a venger. Et même dans l'État, ce qui m'a salé ma bete, yo sali même ma bete, bako punir, yon denge moko, ils vont pas dire que comme y'a salé ma bete, yo zongsi ma bete, et que 0-0, ils a bongote, toi 1-1, ils a bongote. Tu ne peux pas te rendre seul, ou se rendre seul donc la justice, non. Si tu as sali au mabé, tu peux porter plainte, si tu as porté plainte, tu peux pardonner, si tu as pardonné. Mais si tu as sali au mabé, ou si tu as sali au mabé, au côté de la carte, n'est-ce pas, il y a piège, il y a diable. Et bon, comprendre que nous avons passé à moi la vengeance. Paul, à l'objet de la carte, il y a tout ça, Paul. Paul a l'obéi dans Romains 12, 19 a l'obéi. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé. Mais laissez agir la colère, car il est écrit,
à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ah, ce qu'on répétait, c'est que tout le temps, il y a Deutéronome. C'est pour dire que, et la vengeance, ce n'est pas un hasard dans ce que le monde est en train. Peut-être que tout le monde a fait ça, il y a grave dans la vie. Il a peut-être, comment dirais-je, ruiné ta vie. Il a peut-être enlevé quelque chose de très cher dans ta vie. Mais ce que jusque-là, tu n'as jamais pardonné. Tu essayes de tout moyen, se venger pour qu'on m'aille bien. Et sache que l'esprit à vengeance, c'est l'esprit à Nzambete. L'esprit à vengeance, c'est l'esprit à diable. Puisque le diable ne veut pas avoir l'équitable. Donc ça dit, diable, à Koluka, il veut venger toujours au-delà de ce que Moutouana Salakio. Yo ko luka oboma moutou, po moutou aboma ki moutou, moussou sou ta famille na ou par exemple, ou bien osa moutou ma be, po sa di moutou a zwa ki moua si na ou plingoz wa moua si na ou par exemple, zwa moua si na zagandoki. Mwente ke yon moutou okoma mokota na kata makamp. Ou bien moutou, moua si na zagamaladi, yon moutou kota na kata makamp. Pourquoi? Puisque tu n'as pas su contrôler ta colère. Kanda e zalaka na linga tu mengon kanda zagamupaya. La Bible nous dit même que Kanda, donc Boutou est là, là donc ça dit Tongo est tane là, on a Kanda na Kanda na yote. Moi, dans Zambé, ce qu'a Siliki, Azakana tant, aux a limité. C'est pas interdit dans moi, dans Zambé, Silika. Mais la colère d'un enfant de Dieu doit être accompagnée toujours de la passion, de l'amour et de la compassion surtout. Ça dit, na niveau commandant Yeshua l'obi, Père, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. Kanda, moi, dans Zambé, Azakana niveau ana. Moi, je ne sais pas si je suis n'importe quoi, même si je suis un biceps, c'est qu'il n'a jamais été enfant de Dieu. Dans la famille, tout le monde a déchiré les ébélés, tout le monde a séparé les ébélés, tout le monde a haine aux autres côtés de la famille. Pourquoi? Puisque les gens ne sont pas enfants de Dieu. Or, lorsque tu es enfant de Dieu, tu vas comprendre ce que le Seigneur dit ici. Luc 6, ta partie 27, dans le bas, qui est en haut pour la clair. Luc chapitre 6, verset 27. Voilà. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Quand on dit prier ici, ce n'est pas la prière de feu. Ça, c'est pas une prière qui vient de Dieu, ou bien que Dieu exauce. La preuve est que depuis que vous priez sur ça, bando ki bazo si la kaka pété. C'est pour dire que vous priez mal. La Bible nous dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, vous priez mal. Tu ne peux pas dire à Dieu de faire ta volonté par rapport à Koubou Mbatou. Ce n'est pas dans l'éthique, ce n'est même pas dans le dictionnaire de Dieu à l'Andamalobanao par rapport à Kandanao. Ici, la Bible est claire, le Seigneur Yeshua nous dit que nous devrions faire quoi? Bénir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous maltraitent. Et si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Ce qui m'a dit, c'est que ce soit bête. Et nous avons dit, ce qui m'a sali, c'est que ce qui m'a dit, c'est que ce qui m'a dit. Et une personne sensée, ce qui a dit, c'est que ce qui m'a dit, c'est que ce qui si on a bêtu deuxième fois, c'est qu'il y a insensé. Et si une personne est insensée, alors qu'il y a un peu de bonheur. Si on a un problème, il y a un peu normal, il y a un peu de faute. Vous comprenez ici que la Bible nous interdit, n'est-ce pas, de nous venger. Parce que lorsque tu vas te venger, vous allez jouer à Moïni. Jouer à Moïni. Au moment où mutazo mi benga chrétien mais babeti moi nae ye pa ke ake bundisa moi na o abeta ki moi nae mais au côté prison pauvre au beti mineur au côté prison surtout na ni na poto au côté prison au côté prison il y a même des femmes qui dans leur maison même des hommes je pense aussi qui ba lobisaka bana bango te pa kama donc ba binemi na donc na bana bango tu arrives jusqu'au point ya ko kangela mwana we ki ennemi ata sa ki mabe. Ce n'est pas normal, c'est pas normal. Si tu fais des choses pareilles, repens-toi, change, c'est pas normal, c'est pas normal.
Dieu nous appelle à aimer même donc nos ennemis. Mais moi, j'ai un ennemi. Ce qui moi, j'ai commis un ennemi, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais, c'est que tu es insensé, parent. Moi, j'ai un ennemi. 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 Tu ne peux pas l'haïr jusqu'à tel niveau comme à Koloba. Je suis même à Koufa. Voilà, il y a une normalité. Souvenez-vous de 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Bah, meurtrier, bah, côté à l'eau, la terre. Ils n'ont pas la vie éternelle en eux. Si tu as la vie éternelle en toi, c'est quoi avoir la vie éternelle en soi? C'est lorsque tu acceptes Yeshua dans ta vie, lorsqu'il entre dans ta vie, lorsqu'il contrôle ta vie, lorsqu'il marche avec toi, lorsqu'il te commande, il te dirige. C'est lui la vie éternelle. Et cette vie éternelle va te permettre de vivre nakatia mukil awa le col à pèlerin de façon que obongisa place au kende le pona libela. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on reçoit déjà pendant que nous sommes sur la terre. Bon, comprendre ma camo malam bandeko. Donc, il y a un message pour la corobana yon de koso l'andangaï que tout ce que l'anzan bébé si ka yé moko a sala na bambo kanabiso na ba mabota nabiso na misala nabiso na ba relation nabiso donc amical ce qui l'ikambo ezali tout pèse à mabo kanzambe. Dieu va s'en charger. Et ne dis pas à Dieu, Dieu charge-toi. Non. Tu rappelles seulement, bien que ça m'a beau s'en accater, à toi la vengeance, mon Dieu. Ça l'a dit au monde. Mais, selon Gaï, l'imbisakara moutango. Souvenez-vous de Moïse, qui même, n'est-ce pas race, il y a Israël. Moïse a beau et kabine, non, surtout ça l'a dit. Ça va contredire ce que nous voulons faire. La mission était de sauver ces hommes ou ces peuples et non de les tuer. Donc, ceux qui ont moutou, aux hommes, on a un message, et que tu avais un problème avec quelqu'un, l'imbissa y est. Kolimbisa moutou, et ça cause la zoba y a moutou te. Kolimbisa moutou, et ça cause l'esclave y a moutou te. Les hommes forts, les hommes puissants, les hommes, comment dirais-je, supérieurs, esprit supérieur, batada, pour n'a qu'on s'en pardon te. Bon, comprendre ma camboy. Et je pense qu'une personne sera bénie aujourd'hui. Et ceux qui ont béni dans le message, ils ont béni au travers. Et si tu as un problème avec une personne dans ta famille et que tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à pardonner, bon contacter Bissot, tu peux aider yo. Tu peux aider Bissot. Pour Kimia. La Bible nous dit, si cela ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tous. Et ne me dis pas que je cherche la paix, mais elle me refuse, non. Ou bien lui me refuse, non. Si tu cherches réellement la paix, tu auras la paix. J'en connais quelque chose. Laisse que le Seigneur puisse te bénir. Bonjour, mon ami, tout ça, mission mingi. Il y a un problème, il y a un timing pour le moment, mais je pense que c'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Il y a tant voulu, à l'ingénieur que le tout ça la vidéo Oyo, et on a présenté Bidongo, et j'ose croire que bénir Moutumoko le Bandakuna. Et bah contact na bi ezawana soki likambozali boko me la bi soto ozala vraiment ne senga ko répondre bino et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.